Wesh mon gars. Ça va? Ça va ou quoi? On va prendre. On va un petit peu. La forme. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sylvie. Enchantée Sylvie, là où est. Bienvenue à l'enfant du Berry. Merci. Ça, l'enfant du Berry? L'enfant du Berry, dans le Berry. D'accord. Au centre de la France. Ok. Bonjour. Chien, les petits chats, mes cocotiers. Il y a un chien. Ah, et Coco. C'est un pit. Coco, hein. Coco, cocotier. Alors, j'ai des chats et des chiens. J'ai une maison où j'accepte des animaux. Ah, bah, c'est cool ça. Ouais, C'est une bonne idée. Bah, maintenant, vous avez une fouine. Et vous rappelez, c'est un aliment très agréable. Un aliment? Non, un élément très agréable. Ah, ok, merci beaucoup. Je croyais que vous allez manger des fouines, vous allez partir pas directement. Du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, est-ce que je peux vous montrer la piscine? Bien sûr. Alors, venez. Bien sûr. Ah, c'est pas mal. Ah, mais c'est cool tout ça. Ah, on s'attend pas à ça qu'on arrive. Elle est bonne en plus, l'eau. Wow. C'est gentil, en tout cas, merci beaucoup de votre accueil, puisqu'on sait qu'il est tôt, là. Oui. Ah, ben moi, je viens de me lever, Johan m'a levé. Et puis, j'ai des amis qui sont venus dîner, on s'est couché à 2h. Donc, je me dis 2h ou 3h, ça va aller, quoi. On n'a pas encore dormi, on était en Belgique hier soir en concert. Oui, et alors ça a bien marché. Ouais, dès qu'on a fini le concert, on s'est réveillé. Ouais. Et on est parti au studio, je devais décharger un son pour l'envoyer en mix et on est venu directement. On n'a pas encore dormi depuis la Belgique. Très bien. Alors, est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Oui, plaisir. Je vous donne un thé. Un thé, allez, on va aller boire un thé et un café. Bah, c'est joli en tout cas hein, chez vous. Et comment c'est déjà? Enfort. C'est les règles. C'est les putains de règles, mec. Elle peut pas même pas. Bon, donc hier on était en Belgique. Et alors? Il y avait du monde, c'était trop bien. J'adore la Belgique. La Belgique, il y a un très beau public. J'aime la Belgique. Je joue à l'ancienne Belgique. Ah oui? C'est une salle. Vous avez joué où à Bruxelles? Ouais, c'est à Bruxelles, c'est une salle qui s'appelle Ancienne Belgique, c'est une salle mythique. C'est vraiment mythique, c'est là où Jacques Brel faisait tous ses concerts en Belgique, c'est une vraie salle. Et voilà, et demain, dans la nuit, on doit mixer un morceau pour le prochain album. Donc, ça va, l'emploi du temps est assez chargé en ce moment. J'imagine, oui. Et mercredi, on part au Congo, au concert. Ah oui? Ah ben moi, j'ai des clients du Congo qui arrivent la semaine prochaine. Ah ouais? J'achète et je vends du matériel imprimé dans le monde entier. Ah ouais? Ouais. Et ici, dans cette maison, j'ai reçu 12 nationalités. Et entre autres, j'ai des clients du Congo, Brazzaville, avec Kinshasa, donc, qui arrivent. Ben, je t'ai dit, tu es d'où toi? Vous êtes de lui? Ben, il est de Touareg. C'est quel pays ça? Faut pas l'écouter. Coucou! 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 Bon les gars, on va dormir. Hein. Oui, allez dormir. Allez, va dehors. Alors, Luce, avec lui, Adrien, qui est décoratrice de derrière. Franchement, elle est trop belle. Ouais, c'est sympa. Hein. Luce, merci beaucoup pour cette peinture. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est vrai, tu l'aimes? Ouais, je te jure, je l'ai accroché dans ma chambre. Moi, je suis de Casablanca. Oh, quel Marocain. Lui, c'est né en Algérie. Ouais, j'aime bien l'Algérie. J'ai fait un concert à Alger. J'ai fait un concert au Théâtre des Verdieux, c'est ça, Alger? Alger, moi je suis de l'Ouest, au Canada. D'accord. Ouais. Ouais, j'ai été aussi à Oran. Ah oui? Et j'ai fait un concert aussi à... J'ai fait Théâtre des Verdieux. Et c'était complet. Et j'ai été aussi à Chingad, festival de Vietnam. Festival de Chingad. C'était trop bien, j'ai été visiter les ruines romaines et tout. Tiens, je t'ai mis la casserole pour des pois chiches. Non, je veux pas une casserole, je veux une passoire. Elle est là, la passoire. Tiens, merci beaucoup, en tout cas. Où tu résides localement, normalement où tu résides? Où ça, ici? Hein? Dans le 78, à Trappes. À Trappes?
Ouais. Avec les trappistes alors. T'as tout compris. Mais toi, tu es un trappiste. Je vous présente Glenn. Ah, tu vas te faire la vidéo, mais j'avais mis. Tu me fais la vidéo. Là, que tu depuis tout à l'heure, tu fais la vidéo. Ah, il est grand, toi. Non, mais c'est vrai qu'on ne voyait pas si grand. Hein. Ça m'a fait un super truc. Hein. Et encore, j'ai des talents, tu le fais. Il fait 2 mètres, il mesure 2 mètres. Tu mesures 2 mètres. Tiens, mets-le sur la table de la salle à manger. Le poids, ça sourit en rentrant. Oui, c'est fais attention. Oh, elle a l'air bonne cette tarte. Wow. Ah ouais, tout est fait maison, tiens, vas-y. Wow. Mais il n'y a pas de sable à trappe. Et alors ça te gêne ça. Il n'y a que des bâtiments. Le Fennec des sables. Le Fennec des sables. Mais un jour, mon père a ramené du Sahara un fennec. Il n'a pas duré longtemps parce que... Tu veux pas de ça tu veux une taille. Elles l'ont mangé un soir. Il y avait... Un paparazzi. Ça y est, il y en a partout, là. Ne t'inquiète pas, lui, ça ne sortira pas de chez moi. Chez toi? Parce que c'est ma fille! Ah bon? Ah. Je voudrais que tu vas apparaître sur un grand journal, mais j'ai pas ce couleur alors. Oh non, 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 je n'ai pas cette envie non plus. Elle est là, plus près ici. Vas-y, fais-le, fais-le, c'est bien. C'est bien qu'il a gardé son nom. Moi, quand j'ouvre la télévision, on me donne une image des banlieues. Moi, je veux savoir si elle est vraie, je veux savoir ce qu'on me raconte, je veux savoir comment c'est. C'est pas toujours vrai. Mais les médias, ils mettent ce qu'ils veulent, donc oui, après les gens, ils ça, pensent je m'en doute, mais c'est ça la question, justement. Bah, c'est que c'est pas vrai, mais bon. Après, non, mais attends, c'est sûr. Et Florian, il y a des. Il y a des choses vraies, comme des choses pas vraies. T'en rajoutes toujours. Est-ce que c'est vrai que je peux vivre dans une banlieue? Moi, demain, je vais aller dans une banlieue. Est-ce que c'est dangereux? C'est pas du tout. Mais après, c'est le tissu. Tissu social, moi je descends. Il est Louis Vuitton en tout cas le tissu. Ouais, mais attends. La Cité de l'Or. Ouais. C'est quoi en fait ça, la Cité de l'Or? La Cité de l'Or en fait tu vois c'est un musée qui est venu sur la bijouterie tu vois avant tout. Et une grande salle d'exposition. Donc d'accord. Tu verras, ça va être, je te ferai visiter. Là-bas il y a le maire, il y a pas mal de monde. Comme ça vas-y. Je pourrais t'expliquer tu vois. Vas-y bon on y va. Bonjour. Voilà, monsieur le maire, le maire de Saint-Amand. Laoni, enchanté. Ravi, ravi. Ravi, ravi. Donc, bienvenue à Saint-Amand. Merci hein? Beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, il va falloir que je demande des autographes pour ma soeur, ma nièce. Non, parce que problème, on est d'une famille nombreuse. Avec alors, plaisir, je crois que aussi, vous êtes 8. Ouais, nous on est 7 ouais. Enfants. 7 7 enfants. Ouais. Bah, nous 9. 9. Voilà, ouais, donc cool. On est élevés aussi. Famille nombreuse. Là-haut dans les HLM. On est gamins. Enfin bon, bref. Donc bien sûr, ben enchanté, je vous présente ouais, mon équipe, il y a Cocotier, Hicham et puis Glenn. Ah. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour à tous. Allez bien. Si on se suit. D'accord. Alors on a des... Donc l'épouse, vous connaissez. Bonjour. Ça on s'est déjà vu. Oui, oui. Voilà, qui est bientôt enceinte. Et puis des amis journalistes. Alors bonjour, c'est ça va un jeune étudiant en bijouterie, j'ai et donc et puis c'est le président d'un journal. D'accord. Voilà, donc sympa. C'est cool. Alors avec leur professeur. D'accord, bonjour. Bonjour. Bonjour.
La presse, alors, on a le Berry Républicain, qui est le seul journal quotidien. Et on a l'Écho, non, mais je fais des conneries. Voilà, et Marie-Claude, qui est ma directrice de la pyramide. Eh, c'est dingue, une pyramide au milieu de rien, comme ça. J'hallucine. Bon, on l'a créé presque pour vous, alors, en fait. Bon, ça, c'est... Mais en tout cas, Johan voulait que cette remise soit dans cet écrin. Ouais, c'est très bien. Sur des stars. C'est très bien. C'est normal. Mmh. C'est très bien. On va un peu plus loin. D'accord. Dans l'expo. Joli tout ça. Qui est la plus belle. Où est le rappeur? Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Anita, elle est élevée dans la forêt. Quel look. Hein. T'as vu un peu? Il est beau comme garçon. Il gagne du fric avec son rap. Il a acheté des œufs. Bonjour. Alors, vous êtes. Cham. Et vous êtes aussi. Je suis un assistant. Je fais pareil. J'ai du vrai brillant, chérie. Non, du fric, c'est vrai. Là, ils ont du talent. Bonjour. C'est vrai. Bonjour. Ça débarre. Et voilà. Donc voilà, donc un bijou Saint-Amandois. Ok, c'est pas mal. Putain, c'est du lourd. Passe-moi une chaîne, je vais le mettre tout de suite. Tu dis aux photos que... Regarde, filme les yeux de la fouine. Ah ouais, c'est du lourd, Michael. Il a les yeux qui brillent au moins autant que les... Hein? Ah bah putain, t'as fait du bon goût. Pardon, oui, vas-y. Et comme je t'ai dit, avec celui en bleu, c'est bon. Dis aux gens qui prennent pas de photos. Ouais. Préviens les gens qui prennent pas de photos. Ça va rester secret. Est-ce que je peux ne pas prendre de retour les vidéos? Voilà. Parce qu'en fait, c'est pour la promotion. Par contre, il y a peut-être eu quelques photos de prise, mais il ne faudra pas les publier sur Internet ou sur les sites, ni dans les journaux, puisque le bijou sert à la promotion, donc l'album qui sortira bientôt. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est cool, que cet homme m'a relancé. Eh, mais il me ressemble un peu quand même. Ce qui serait chouette, c'est de faire visiter la cité de l'homme. Ouais. La salle. C'est combien d'heures de travail? Voilà, j'ai même pas compté les heures. Mais, ouais, la passion, là, c'est. Là, il y a du boulot. Ouais. Voilà, c'est juste un Saint-Amandois, puis qu'on verra dans les clips, les vidéos. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on le verra à la fouine à Saint-Amand pour un concert? Tout le monde me demande ça depuis une semaine. Sûrement, on verra. Je vous ferai une chanson d'amour. Qu'est-ce que vous chantez dans le rap? Ah, j'en ai une. Je viens de la haute avec mon chariot, sucer des quéquettes avec mes belles. Je cherche un pigeon, peut-être pas trop con, pour loger ce soir tout mon désespoir. Je m'appelle Guillotine, je viens de Conchinchine pour vous couper la pine, vous la faire en train. Partie de la bande, je mange des amandes et à toi mon aïe, tous mes amants, je leur coupe la langue. Vous êtes chère grande Casanova, un diable qui brûle du regard avec cette flamme qui te quitte plus, on peut brûler de mon four. Vous auriez vécu à Venise, marchant sur le pont des soupirs avec ces belles dames de la cour, à les rendre folles d'amour pour vous. Allez, venir. Je suis bien.
Et au fait, je vous présente mon ami Cocotier. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Cocotier? Cocotier, ils ont des noms pas possibles. Alors, tu sais que fouine, la fouine, tu dis la fouine égale fouine, ça fait fouine. C'est quand même dégueulasse. Alors, lui, il a la tête de mort, toi, t'as la fouine, non, mais avec ça, on va où, là? Bah merci Anita. Ravi. D'accord, merci c'est un plaisir pour le petit mot. Merci pour tout. Hein? Elle est unique. Ah oui, elle est unique en son genre. Moi, je vous verrais bien dans Secret Story. Secret Story. C'est quoi? Super émission, super sensation. Ah bon? C'est une émission de télé. C'est pas vrai. Ah ouais, il manque des gens comme vous dans Secret Story. C'est bien, parce qu'en même temps, c'est vrai que les jeunes ici, ils n'ont pas trop l'occasion de rencontrer des gens comme vous ici sur place. Quoi. Enfin, puis je pense que ça leur a fait le désir. Quoi, le fait. Merci, il y avait du monde. Hein. Ah, puis il y avait du monde. Hein. Ouais. Tu pensais avoir autant de monde? Non, non. Même pas. Ah, oui. Je sais pas, je connaissais pas le truc. Ah, oui. Wesh, donc on reviendra. On revient déjà à la salle. On reviendra. Bah oui. On a le matériel, on a tout. Hein? Et pourquoi si, pour les vieux? On l'invitera à la vieille. Ah, mais on l'invitera de toute façon. Tu mets de l'accordéon dans la vie de la chanson d'Anita. La chanson d'Anita. Moi, je vous dis un truc, si je viens en concert ici, je ne viens pas si en première partie ce n'est pas Anita. Qu'est-ce que chante, hein? C'est quoi sa chanson? Elle a dit, je veux les kékènes. Voilà,
Emmène-la à Paris, elle a vu qu'on connaît pas. Bon, ben, je vous souhaite tous une bonne soirée. Ouais, bon courage. D'accord, ben, c'est un plaisir. Hein. Donc, merci beaucoup. Hein. Bon, bah, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, moi, c'est bon, moi, j'ai dormi, donc là, je suis nickel. Si je vois qu'il commence à incliner de flèche, je prends. Fuck a mean man, nigga, fuck a mean man. Fuck a mean man, nigga, fuck a mean man. Fuck a mean man, nigga, fuck a mean man. Et là, y'a le couplé. When I'm trippin', I'm get it on my neck and throat, and them girls lick me up till I drop. Shorty swallow and drop from the balls to the top. She must do this shit a lot. She's a freak, she's a pro. Got the paper, it's a bow. Bring it down, burn it down. She might bless you on a job. Oh. 550 walk out the ground.